C'est notre première participation au salon DLR. En fait, notre solution a été réécrite il y a 2-3 ans. Maintenant qu'on commence à avoir des implantations dans ce secteur-là, on a décidé d'être plus présent au travers de nos innovations sur les tablettes et développement de tablettes ou autres, sur notre activité de gestion pour les entreprises de location et de négoce de matériel. La plus forte demande, c'est dans le domaine du BTP par rapport à nos solutions, mais on a des demandes aussi dans des solutions qui sont plus connexes, hein, de location de tout type de matériel, de portes blindées ou autres, hein, types de location qui sont plus exotiques. Mais la plus grosse demande, c'est dans le domaine de la location de matériel BTP et le négoce de matériel BTP. Il est prévu que nous participions au salon Batimat en novembre à Villepinte, hein, sur Paris. Et ce sera également notre première participation, toujours pour s'implanter et mieux faire connaître nos solutions auprès de cette clientèle de location de matériel BTP. Alors, nous faisons aujourd'hui plus de 20% de notre chiffre hors France métropolitaine, DOM-TOM, Afrique, puisque nous avons un bureau à Madagascar. Voilà, et donc on a beaucoup de solutions qui sont implantées dans tout ce qui est océan Indien et Afrique, Djibouti, Mayotte, voilà, des pays de cet ordre-là. On a aussi maintenant un distributeur sur la zone Pacifique, et donc on commence à avoir pas mal d'installations qui sont sur ces zones pacifiques. Voilà. Via cette distribution. Nos logiciels sont plutôt des logiciels plutôt innovants. Hein, comme vous avez pu voir sur le stand, en fait, on utilise les tablettes tactiles beaucoup. On utilise tout ce qui est reconnaissance de déplacement, qui sont encore de déplacement de la main, des mouvements, pour pouvoir faire des utilisations en milieu hostile sans forcément installer des ordinateurs qui sont soumis à des pressions qui sont défavorables à ces matériels-là. Voilà, donc on est plutôt sur des solutions qui sont plutôt plus innovantes, plus modernes, voilà, que ceux qui existent aujourd'hui traditionnellement dans ce métier-là. Heureusement que notre secteur de logiciel est un secteur qui se porte plutôt bien, même si on connaît bien sûr par répercussion des difficultés comme tous les secteurs d'activité. On est aussi impacté par la crise, voilà, comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a plutôt un secteur qui est encore préservé, puisqu'on est là aussi pour permettre aux gens qui sont en crise de mieux s'organiser, être plus performants. Et donc ce sont des outils qui sont aussi recherchés pour améliorer la performance des entreprises.